Salut à tous, ici Gardoum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une VOD sur un jeu qui n'est pas encore sorti, il est en version Early Access, etc. Qui est donc Pro Gamer Manager. Alors c'est un jeu typiquement de simulation, il y a Game Dev Tycoon pour ceux qui veulent faire des jeux vidéo, des trucs comme ça, qui est très sympa d'ailleurs. Celui-ci, alors vous avez le choix entre soit devenir un joueur. Donc j'ai testé, j'ai pas trouvé ça ouf, enfin j'ai testé pas super longtemps, mais j'ai l'impression que c'est très répétitif et que ça n'évolue pas beaucoup. J'ai peut-être pas été assez loin évidemment, hein. J'étais arrivé jusqu'à Gold, c'est-à-dire vous commencez rang 50 000 et quelques de joueurs, j'étais arrivé en dessous de 15 000, c'est long et j'ai pas trouvé ça ouf, donc on va tester ensemble le mode manager. Je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne, on va voir ce que ça donne. Mon pseudo, on va mettre Gardoum, nationalité française, y'a ou pas? Y'a pas français? Ah si, hop, français, team name, Gardoum Army, for name, Chris Doom. Voilà, Chris Doom, âge 25 pile poil, on est bien. On est bien, on est bien. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, je suis en... On verra ce que... Je reste perplexe, hein, je ne sais pas. Au cas où le son du jeu n'est pas assez fort, vous me le mettez en commentaire. Après le prochain épisode, évidemment, je mettrai plus élevé. Waouh, ça pète les yeux déjà. Alors, on va faire dans les faux bas, évidemment. Hein, on va pas faire dans les FPS, on va rester dans ce qu'on connaît quand même, tout de même. Un sponsor. Alors, ça, c'est des fringues. Ça, c'est une entreprise qui donne... C'est celle qui paye le plus. Et ça, c'est une game house. Ouais, maison de jeu. On va prendre celle qui paye le moins, mais c'est une game house. Donc, c'est un peu plus logique, je dirais. Team Room Esport League. Qu'est-ce qu'on a? Team Room. Non, Team Room, qu'est-ce qu'on a? Faut recruter des gens, ça me semble legit. Ouais, bah, on n'a pas le choix. On va devoir prendre des lots ranked pour l'instant. Pour l'instant, on va prendre des locaux comme ça. Lui, il demande combien? Alors, attendez. Lui, il joue quoi? Ça, c'est jungle. Ça, c'est top. Ça, c'est carriadé. Et c'est un leader. Il est 21 en étoile. C'est un top laner. Allez, mon gars. Toi, je t'embauche. Ensuite, on a un top laner. Ah, je peux en recruter un seul par jour. Ok. Donc ça, je peux faire quoi, concrètement? Oh, mince. Ah oui, j'ai des points à dépenser. Ok. Il va être bon mécaniquement. C'est un GG top laner. Full mécanique. Le gars, full mécanique, les mecs. Let's talk, je sais pas, tu veux parler de quoi? Yeah! Voilà, je viens de te recruter, mais je te dis déjà que tu joues bien, mec. Tactique. Oh, ok. Alors, on va jouer plutôt truc offensif, nous. Full commit, initier les teamfights, commencer les objectifs majeurs dès que possible. Et jamais de retraite! Allez, allez. Team capitaine. Ça va être le top, les gars, ça va être le top. Et teamfight initiateur, alors là, par contre, ça dépend. Je dirais, on va mettre un jungler qui va initier les fights. Ça peut être cool. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, manager, qu'est-ce que j'ai? Manager desk. J'ai rien, ok. Ma bio, on s'en moque. Mon téléphone. Ah, je peux appeler les sponsors. Ah, ok. Je peux pas... Donc, ça, c'est des points qu'on gagne, hein, typiquement, en faisant des actions. Alors, normalement, c'est quand vous faites des jeux. Quand vous êtes joueur, c'est quand vous jouez. Là, du coup, je sais pas comment ça se passe. Du staff, je peux pas en choper. J'ai du contrat avec un joueur. Donc ça, ça diminue, tac, 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 les coûts, ça c'est de la maison, tout ça. Et ça, c'est ce que je gagne. Donc on va essayer de garder le vert, évidemment, toujours plus élevé. Et ça, c'est Team B. Très bien, donc pour l'instant, je peux rien faire ici. Qu'est-ce qu'on a? World Event. Il n'y a rien, j'ai pas assez de joueurs, ça semble legit. Jusque là, ça me va. Organisation, qu'est-ce que c'est? Website. Ah, un site. J'ai pas de thunes pour l'instant, mais ça pourrait être bien. Community Manager, pareil. Des tactiques avancées. Ok, en tech, qu'est-ce qu'on a? Rien, j'ai rien, j'ai pas de web TV et tout. Et dans les news, bienvenue dans la Gaming House. Hey, j'ai commencé une team de FOBA appelée Gardoum Army. C'est le temps de recruter du monde. Ouais, bah oui, mais là je peux pas. On va attendre donc jour suivant. Qu'est-ce que ça donne? Next day. Cool. Bah, je vais devoir recruter un autre joueur, ça me semble legit, hein, pour qu'on puisse faire des trucs. Scouting, c'est quoi? Ah ouais, ça c'est. C'est des gens qui sont cool, ça. Genre lui il est gold, est-ce que je peux négocier avec lui? On va essayer. Chut. Attends, c'est un support lui, on va essayer. What? 1400 et quelques? Je peux pas, j'ai pas de quoi le payer, je suis désolé mon gars, je peux pas. Bon, on va oublier, on va plutôt chercher des petits joueurs pas très chers. Hein. Je pense que c'est mieux. Team Room. Voilà, recruter, un lot ranked et ça va. Un mec local, il va pas coûter très cher. Alors, en jungle, il est créatif, c'est un leader. Non, j'ai déjà un leader, en fait. Un team play, il coûte 82. Allez, c'est parti. C'est parti, team morale, scouting, ok.
bah, les tactiques ça change pas. Et bah jour suivant, j'ai pas de thunes pour l'instant, donc je peux strictement rien faire, je gagne pas de points. Ok. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais gagner les points. Pour l'instant, je pense juste qu'il faut que je recrute un joueur par jour. Hein. On va toujours chercher des gens dans la zone, je pense que c'est un peu moins cher. Lui, c'est un gros travailleur. Mais, ah non, je viens de recruter un jungler. Donc, support, mid. Il est confiant. Moi, j'aime pas les mecs qui sont confiants. J'ai recruté quoi, au fait? Attendez. On soit bien sûr de ce qu'on a recruté. Hein. C'est bien un jungler, donc faut que je recrute tout le reste. J'ai rien recruté, mec. Oh non, j'ai rien recruté. Oh l'arnaque. Ok, ça compte quand même. Bon, j'ai un top laner et un jungler. Donc j'ai perdu une journée dans le vent. C'est super sympa. Je ne suis que joie. Je suis joyeuse, les amis. On a 710 fans. Je sais pas d'où ils sortent, mais on a des fans, le mec. Alors, mid laner, t'es team place. Bien, t'es constant. Ouais, y'en a qui coûtent. 18, ah, il coûte cher. Hein. On va prendre des pas chers pour l'instant. On est pauvres. Lui, on va lui. Ah ouais, il faut que je mette ses points. C'est un jungler. Alors du coup, il va falloir qu'il soit bon à la phase de pick. Bon dans les teamfights, qu'il ait de bonne mécanique quand même. Positionnement, voilà, il est pas carriadé quoi. Ok, ensuite, toi. Toi par contre, t'es un support, t'es un GG support. Alors du coup, tu vas devoir faire des gros teamfights. Tu vas faire un bon placement aussi. Voilà. Et j'ai déjà recruté quelqu'un aujourd'hui. On passe. No choice to pass. Est-ce que la garde Marmi ira loin? Est-ce que la garde Marmi deviendra la meilleure team e-sport au monde? Je ne sais pas. Il nous manque donc un mid laner et un carriadé. Alors, toujours local. Hein. On a un top... Ah ouais, 11, c'est nul. Ah, 14, il coûte moins cher. Voilà, on va prendre lui. Triple Donovan, quoi, mais il a 16 ans, c'est pour ça qu'il est pas cher comme mec. Faut toujours prendre des gamins, c'est pas cher. Positionnement. Mec, t'es carriadé, on déconne pas avec ça, quoi. Tu te positionnes full. Ah ouais, plus on détoile, en fait, plus vous mettez de points. Ok, c'est legit. C'est legit. Je peux toujours rien faire, j'ai pas de thunes, du coup, je pense pas pouvoir faire grand-chose d'autre. Et une fois qu'on aura notre team, on pourra peut-être commencer à faire des tournois, quelque chose comme ça. Next day, yeah. Et il ne manque plus que le mid laner. Est-ce qu'on a un mid laner par ici? Oui, toi, tu coûtes 135. Ah, ça va être chaud, les gars. Wow. T'as des points, il va te faire de bonnes mécaniques, de bons teamfights. Et un mental. Un mental d'acier, tu vois. Ok, tactique, on est toujours bon là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah, attendez, je peux faire du VS maintenant. Next game, voilà. On va peut-être gagner les Selfish Bees. Attention. Bon, ça les fasse de pique. Vous ne faites rien dans ces moments-là. C'est concrètement, vous attendez. Vous espérez avoir coaché assez bien vos joueurs, je suppose. Allons-y. Qu'est-ce que ça donne? What? Gardemami got first blood. Cool. On a eu first blood, les gars. Là, les gars, on continue. Ça, c'est nos joueurs. Ils sont chauds, là, les joueurs. Regardez-moi tous ces kills qu'ils prennent. Ils sont en train de leur rouler dessus. On nous voit agressifs. Cette violence. Et on peut changer la stratégie en plein milieu. C'est intéressant. Ils ont eu 0 pièce d'or en face, par contre. 2500. Oh là. Calmez-vous, les gars. On change tactique, là. On change tactique. Ok, on revient. Oh là. Ils ont gagné un teamfight. Calmez-vous. Non, mais je sais pas. Il y a un moment où... Arrêtez de déconner pour... Mais... Vas-y, allez-y, agressif à fond. On essaye, et puis... Attends, en gros, ma team a eu un GG early game. Et ils se sont fait détruire, après. Lane phase is over. Bah ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Garde de Marmi won 5v5 fight, ok. Selfish B, ok, ils ont gagné un petit team fight. On a gagné un fight 2v3. Ok. On a sécurisé un objectif mineur. Allez les mecs, on a gagné un team fight mineur. Allez. Encore un team fight mineur. Allez les gars. Et voilà, on a complètement ace la team adverse. Allez, ils ont gagné un teamfight en face. Oh là, calmez-vous tout de suite. Ils ont encore gagné un teamfight et j'aime pas très beaucoup ça. Ils ont gagné un fight 4v3. Ouais. Ah, on a gagné un fight 3v2. Ok. On a ace la team adverse, c'est bien. Ils ont sécurisé un objectif. Ok, je sais pas combien de temps dure la game en fait. Ils ont encore sécurisé un objectif. Nous, on a fait un objectif majeur, genre Baron Nashor, tu vois. Ça, c'est cool. Ça donne une belle avance normalement. On a gagné. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, MVP, frère rare. C'est qui?
C'est le Kariade en face, ok. On a plus 600 fans et plus 7 points. Et le fail de la game, c'est Ichizo, c'est Millénaire adverse. Très bien. Du coup, on a quand même gagné. Ouais. Ok. C'est bien, je suppose. Par contre, alors, c'était organisation. Non, c'est pas ça, on n'a pas de thunes. C'était manager. Finance. Ouf. Hey. On gagne à peine plus qu'on dépense. Et je peux pas appeler un sponsor pour. C'est ça, ça coûtait 20. Ouais, 20, c'est chaud. Bah écoutez, on va pas avoir le choix que d'attendre le jour suivant. Next day. Va falloir qu'on gagne des matchs, hein, parce que là. Pff, par contre, c'est très très long le match, je trouve. C'est extrêmement long. On va refaire un match, évidemment. Oh, ça pue ça. Ils ont l'air plus skillés que nous de base, hein. Ils ont 60, on a 48. Mais moi j'ai confiance. Oh, Glass Cannon Team, Glass Cannon. Ok, il va falloir qu'on joue méga agressif les mecs. Quitte à être Glass Cannon. Ils ont eu le First Blood, j'aime pas ça. Parce que là toute ma team est morte une fois. Vous sentez là le Kariade en face qui se feed ou pas? Ah, vas-y. Petit... Aïe. Bon, et là en fait on est obligé d'attendre. J'aurais pas moyen de passer ça rapidement en même temps, non, c'est logique que ça ne puisse pas passer rapidement parce qu'on peut changer la strat, mais. C'est chaud quand même. Ah, on a sécurisé un objectif majeur, si tôt dans la game. Waouh, on a gagné un teamfight. Allez les mecs, vous êtes beaucoup trop chauds. Ah, ils nous ont haïs. C'est un peu dommage. On gagne un 2v3, mais tellement de skill. Oh, ils ont fait un baron nasher. Oh, ils ont gagné un 3v2. Oh, ils ont sécurisé un autre baron nasher. Oh, ils gagnent un 4v2. Oh, ils nous ont chié dessus. Toutes les terres sont tombées. Ok. Ils prennent un objectif mineur. Tout va bien. Non mais oh, calmez-vous. Jouez défensif là, les gars. Il y a un moment où faut pas déconner. Non, mais arrêtez. Il y a une teamfight. Je sais pas. Il y a un moment où vous campez sous tour. Voilà, on a gagné un fight 1v2. Ils ont gagné un fight encore. Mais attendez. Il gagne un 5v3, bah oui, non, mais il est complètement feed, là, complètement feed. Je sais pas, restez sous les tours, les mecs, faites quelque chose, on a sécurisé un objectif majeur. GG, mais là, ils ont tellement d'avance. Oh, un objectif mineur. Ouais, mais c'est chaud. Ah, on a dominé un teamfight. Ils ont gagné un 3v2, un 2v2. Ouais, on a gagné un teamfight majeur, c'est bien, ça. Parce qu'on peut pas jouer agressif quand on a moins de gold, effectivement. Oh, on a crush la team adverse, carrément. Bah, ils ont gagné. C'est pas étonnant, il était tellement feed. MVP du game, Mirai Wen. Il est en face, évidemment, bah, sur Kariade. Et le flop, c'est notre mid laner. Il a été trop nul. Ok, mais on a plus de fans, mais on n'en fait rien. Je sais pas, il y a quoi? Un local basketball, ok. Au niveau des techs, bah pareil, on a rien, on n'a pas de thunes. Faut qu'on attende la fin de la première semaine, je pense, pour avoir quelque chose. Ça devrait arriver soon, donc on est obligé de faire... En fait, il n'y a que ça pour l'instant, je pense, qui est faisable. Il devrait gagner en face. Ok. Eh bien, écoutez, on va voir ça. Bon, les Pikaban, on a beaucoup de mobilité, ils ont une team AE, donc on va éviter les teamfights, on va jouer très agressif. J'aimerais avoir d'autres strats, genre essayer de counter jungle et tout, parce que quand vous êtes joueur, il faut savoir que vous avez des possibilités, genre... Vous choisissez un peu comment vous allez jouer, agressif, offensif ou équilibré. Ensuite, vous avez des strats genre est-ce que je joue la lane, est-ce que je farm et push ou est-ce que je vais invade la jungle adverse. C'était pour moi en tant que top laner. Peut-être d'autres possibilités. Et vous avez en dernier lieu. Je sais plus ce que c'est. Et vous avez trois lignes de trucage. What? Qu'est-ce qui se passe? Attendez. On gagne un fight 4v2. Oh là, ils ont pris un objectif mineur. Ok, c'est pas trop gênant. On a gagné un fight 5v5. Allez les gars, faut les crush. Hein. On peut pas se permettre de prendre des teamfights. Là, faut juste... Voilà, justement, c'est faire du pick-up, etc. Parce que les teamfights, ils ont une compo à eux, c'est chaud. Hein. Ils ont gagné un teamfight majeur. Ok, on vient de les crush. C'est équilibré cette game, c'est chaud. Hein. Ils ont gagné un fight 1v2. Très bien. Un objectif majeur est tombé. On sait pas en faveur de qui, on sait pas pourquoi. Ok. Bon, on a pris un petit Drake. Ils ont gagné un 5v4, j'aime pas beaucoup ça. On a pris un petit Drake, très bien. On a détruit la team adverse, très bien les mecs, allez jusqu'au bout. Ils ont gagné un 5v4, ouais. On a gagné un 5v4, c'est incroyable cette game pleine de rebondissements les amis. Ils gagnent un 4v3, ok, on a gagné un 4v3, on a gagné un 5v5, ah bah c'est bien. C'est bien ça. Ils ont gagné un teamfight majeur, ça j'aime moins. Ils ont pris un Drake, ok. Ah, ça va être le Dragon Slayer les amis. 5v4, oui.
il gagne en 2v3. Ah non, ça c'est pas bon. C'est pas normal ça. Ok, on gagne un teamfight, très bien. On a gagné un fight 5v5, on arrive à la fin de la game, là ça sent bon. On a sécurisé un baron. Allez, allez, faut finir la game. Et bim, c'est le... On a gagné que 3 points, c'est sérieux ça. Ah, lui il a level up. Ok, yeah. On a tout... Attendez, parce que s'il y a du level up, je peux peut-être... Tiens, toi, vas-y. Tu vas avoir des mécaniques. En tant que jungler, tu vois, c'est un petit Lee Sin, il va falloir que tu sois GG cool. Je veux que tu sois un GG mec. Team Synergy. Ouais, ça va prendre du temps ça. Bon, bah, je peux rien faire, on est obligé d'attendre. Et vu que j'ai un contrat qui me rapporte pas de thunes, ça pue. Je vais devoir renégocier le contrat, mais dès que j'aurai 20 points. Crédit, moins 106. Comment ça hein? Attendez. Total par semaine, 604, moins 604 en gros. Total de d'argent qui vient, 638. Je ne suis pas censé être dans le négatif. Ce n'est pas possible. Ou alors, faut que maximiser. Ok, Fripounage, c'est la meilleure team. Mais c'est pas grave, on va les shred. On a une team early game, ils ont une frontline. Bah, on joue agressif. Je veux dire, c'est... Voilà, hein, c'est stratégiquement... On a le First Blood. Oh, bim, notre carré, il est 3-0. Allez. Aïe. Il est 3-1. Il est 4-2. Ah, fais gaffe. Moi j'ai confiance dans le top laner, mais là il feed un petit peu. Ça se dit, c'est bien moi, feed à Doom. Je me reconnais là, donc Gledin, c'est peut-être un peu moi. Non, je suis coach, faut pas. Alors eux, c'est le support et le jungler qui ont les kills, faut faire gaffe. Nous, c'est le carry AD, ce qui veut dire qu'on est pas, mais on peut jouer agressif. On a un carry AD qui est chaud dans la game et tout. Ce serait dommage de pas en profiter. Hop, on vient de gagner un fight. On a encore gagné un fight. On a gagné un 2v2, et là on a un support, un carry AD, notre duo lane qui fait un taf monstrueux à première vue. Oula, on a gagné un 4v3, ok. Ils ont gagné un 3v3. C'est le support là qui est feed. On va diminuer un peu, hein, parce que faire des fights comme ça, quand c'est ton support qui est feed, c'est pas ouf. Pareil, le jungler, c'est pas non plus, c'est l'initiateur de fight, mais voilà, s'il n'y a pas de dégâts derrière, ça sert à rien. Genre, on a un mid laner qui est ultra nul, je crois. Je crois qu'il est toujours très très nul. Non, évitez de faire ça, voilà, on a gagné. On va laisser, hein, tant que c'est notre jungler support, on imagine que c'est des persos un peu tanky. Et du coup, vous mieux jouer défensif sous une tour, c'est, vous êtes beaucoup plus dur à dive si vous êtes du CC et tout comme ça. Après, moi, là, j'essaie d'imaginer le jeu, de mettre le rapport avec la Ligue des Légendes, mais je me trompe peut-être. On a dominé un fight. Allez, c'est parti, vas-y. Ouais, plus tard dans la game, là, on faut enchaîner, voilà. Là, on devient très, très agressif. On va essayer de mettre une grosse pression. Ils ont pas beaucoup d'avance. Puis on a un carry AD qui feed complètement. On a une team full feeder, les gars. Full feeder. Alors, effectivement, c'est ma team. Du coup, je le conçois bien, si vous voulez. Et ils ont gagné, on a perdu, ok. Je vais regarder les stats de Saki, là, parce que je crois que c'est un caca, notre mid laner. Non, mais mec, t'es nul, je sais pas. Tu dois progresser. Voilà. C'est bien, ah, voilà, c'est bien. Il se chauffait, etc., le gars. Il m'a dit, je lui ai dit, « Eh, mais t'es une sous-merde et tout. Apprends à jouer. » What ? Il y a quelqu'un qui était content. Et... Putain, toi, par contre, t'as bien joué la dernière game, tiens. Hop. Nickel. Ok, donc on lui a dit que c'était bien et tout, il doit être content. Bon, on va voir ce que ça donne. On a déjà 2900 fans, mais je sais même pas des fans de quoi. C'est... Je sais pas exactement comment on sous-diffuse les games, ce qui se passe. Ok, donc, il m'a dit, le mid laner, qu'il allait bien jouer la prochaine game. Il a dit qu'il allait bien jouer, Saki. Il m'a dit, il fait, Gardoum. Écoute, Gardoum. Tu m'as parlé, tu savais qu'il y a eu un problème dans la team, tu m'as parlé, on en a discuté. Ok mec, je vais progresser, je vais tout donner. Enfin là, ce que tu donnes, c'est du kill. C'est de l'or. Ah, oh, attendez, il est à dehors. Moi, je vais le suivre, Saki. Je vais le suivre parce que j'ai confiance en ce mec. Quand un mec me dit, bah écoute, je me chauffais, mais t'as raison de m'engueuler parce qu'en effet, voilà, faut que je sois bon. Moi, j'écoute ce mec. Je vais suivre ce mec, mais jusqu'au bout du monde. Ce gars-là, c'est l'avenir de l'e-sport, les mecs. Retenez bien ce pseudo. Saki. Saki le feeder. Pour l'instant. Mais on a l'air d'avoir un GG carry AD. Comment il leur met la sauce. Oh là là, oh là, tiens, il détruit complètement. Allez, continuez, les gars. Non, mais oh, vous dominez pas les fights, s'il vous plaît. 1v2, qui c'est qui a pris les kills. Je sais pas. Saki, allez, t'es censé être mid laner, je sais pas, fais des trucs dans ta vie, enfin. J'ai dit à tout le monde que t'étais l'avenir de l'e-sport, mec. L'avenir de l'e-sport, c'est pas ça. C'est pas un mec qui fait 8-7. L'avenir de l'e-sport, c'est, je sais pas, Legendary 18-05, quoi, par exemple, j'accepte.
Là, Saki chine à la colle. Un top laner qui GG game. Ouais, quoique 14-13, c'est pas super ouf. On va jouer ultra agressif, hein, ça y est. Là, pour moi, on a tellement d'avance. Les mecs, ils reviennent pas avec une avance comme ça dans la Ligue des Légendes. Tu joues agressif, ils reviennent jamais. Ils ont pas la possibilité. Il y a Saki qui remonte doucement, mais olé la tien, mais olé la tien. Il carry tellement la game, les mecs. J'ai recruté, je pense, le meilleur carry AD du monde. Je pense, hein, y a pas mieux. Par contre, je crois que je vais kick mon mid laner parce que. Excusez-moi, hein, mais. Il a l'air nul, quoi. On va voir sur la prochaine game. Mais... Je crois qu'il est nul. Oh, pim! Tous, ils ont level up. Oh, ils ont MVP de la game. Bah, olé la tien, non mais. Non mais, mec, olé la tien, mais c'est un génie. C'est un génie. Alors, tiens. Tu vas te positionner comme un génie, toi. Edit. Ah. Il va s'appeler. Un Karyadé. Qui on va mettre en Karyadé? Allez, les mecs. Lui, il va s'appeler Arajix. Et je vais lui parler, t'as bien joué, mec. Voilà. Saki, il feed beaucoup. Comment ça? Mec, tu vas t'appeler Carpe. Il feed beaucoup et tout. Je pense que Carpe, je pense que Carpe, il te faut du mental, mec. Il te faut du mental. T'es pas au top. Alors, Gledin, ah bah, toi, t'es top laner, mec. T'es full mécanique et tout. Tu vas t'appeler Gardou. Et tu vas rager contre la méta. T'es pas très très bon en teamfight, mais t'es la full mécanique. Ah ouais, le mec, moi j'ai mis full mécanique. Hein. Le gars, c'est un show. C'est un show. Bon, il faudrait que t'apprennes à pick des persos, parce que pick Brom top, c'est pas ouf. Un mec qui va lancer des fights, un initiateur. Apo, c'est Catly. Apo, c'est Catly, clairement. Ah non, mais Apo, c'est. Non, bah non, Apo, c'est Catly, il va être là, pardon, en jungle. Voilà, Apo, c'est Catly ici. Et il va avoir des GG mécaniques, parce qu'il va jouer Lee Sin. Toi, qu'est-ce que tu vas jouer en support? En support, les gars. On va mettre Kayna. Parce que elle joue évidemment. Car il y a des deux bases, du coup elle sait jouer support. Du coup elle va gérer les teamfights. Voilà, moi j'ai confiance. J'ai confiance dans cette team parce que ça c'est l'avenir. Ça, mais c'est ce qu'il va. Vous allez voir ce que vous allez voir. Attention. Par contre, manager, il faudra que j'appelle négocier le sponsor. Or team des. Bah ouais. We promise to win the league for better. Ah, c'est chaud. Voilà, ça, 2000 par semaine, c'est bien. Manager phone. Hop. Ah ouais, ça c'est regrouper la team pour discuter et tout. Ok. Attendez, j'ai utilisé mes points là pour appeler. Ça a été refusé. Et genre le sponsor, on gagne des games, il s'en bat les steaks, il veut pas nous donner plus de thunes. Il sait qu'on va être pauvre, il sait qu'il y aura plus à manger pour les joueurs. Et qu'un joueur qui mange pas, c'est un joueur mort. Un joueur mort, il joue pas. Et un joueur qui joue pas, parce qu'il est mort, bah qu'est-ce que ça fait? Attendez, on va quand même regarder s'ils ont pas voulu nous augmenter ça, mais... Ah si, voilà, voilà. Ok, it's ok, ils ont compris qu'on avait besoin de thunes et tout. Si Saki il fail, je le kick et je prends un mid laner plus cher, je m'en bats les steaks. Ouf, ouf, 54 face à 30, allez, on les crush. Full agressif. Apo, tu fais un gank top en early. Gardoum, avec tes jets mécaniques, tu vas complètement détruire les mecs. Et on a Carbon, Car qui affine un peu, tu vois, mais c'est pas grave. Allez, first blood. Apo Gardoum, qu'est-ce que j'avais annoncé? Qu'est-ce que j'avais annoncé, les gars? J'avais dit Apo, il fait un gank top et tout, bam. Non, mais je pense que j'ai. Trop de trucs, hein, beaucoup trop chaud. Ah. Oh, Carp 6-1. Carp El Kari. Oh, Carp El Kari. Mais en fait, il fallait juste que je change de pseudo, le mec. Hein. C'est ça qui ça lui plaisait pas. Il s'appelle Carp, là, il carré, il a 10-1, le mec. 10-1, NP. Du... 10-2, ah ça va, j'accepte, y'a pas de soucis, enfin là on est en train de les détruire. Pourquoi ils sont que 4? Ils ont un mec qui. Alors soit il leur manque une banane, il a des stats. Donc y'a un mec qui existe mais qui n'a pas de pseudo. Il veut pas être reconnu, tu vois, c'est le mec qui est un peu trop hippie. Oui alors, excusez-moi, mais je peux pas vous donner mon nom, vous voyez, parce que voilà, je m'appelle Bruce Willis et je peux pas trop le dire. Calme-toi mec. T'as des cheveux. Bon, du coup oui, les tours sont tombées des deux côtés, on s'en bat les steaks, on joue ultra agressif, regardez comment vous êtes en train de les shred, on a même Carp qui s'est fit dans la game, enfin. Eh, 12-6, Carp, ok. 12-7, Carp, calme-toi. 13-7, allez. Apo et Arajix, là, dans la game, ils sont pas ouf. Heureusement qu'il y a Gardoum qui carry et Kayna, ils sont chauds pour les teamfights. Parce que sinon, ça peut être vachement compliqué, les gars. Ça peut être compliqué. Mais là, pour l'instant, je dois kick personne dans ces games. Ça va, on domine, allez, c'est free win, là, on bat une team anglaise. Les petites Dayu, Saori, Tara, Lotiran. D'ailleurs, Saori, ils ont été chercher la princesse de... Comment ça s'appelle? Des Chevaliers du Zodiac, tu vois. C'est une team anglaise, ils ont des thunes, ils ont du bif. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font, écoutez, les Japon, on a besoin de vos meilleurs joueurs.
Les autres, ils font « Ok, on t'envoie celle qui invoque les chevaliers de l'apocalypse, quasiment. Elle va t'invoquer Seyar et tout en plein game pour protéger ses potes. » Voilà, Gardum Army, won the game. Et évidemment qu'on a won the game. Et MVP de la game, Kaena. Oh là 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 là. Bon, est-ce que je peux demander encore plus de thunes? Ouais, peut-être pas maintenant, quand même. La presse, qu'est-ce que je fais? Des eSport Awards? Ou... Non, attendez. On va parler... des performances avec la team. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Si un joueur joue mal, c'est la faute de toute la team. Ou alors, je vais te remplacer si tu joues pas bien. C'est un peu trop... Oui, ça arrivera au bout d'un moment, ma propre instant. Et prenez votre temps pour vous adapter. Non, non, non. Pour moi, c'est ça. C'est... Si un joueur joue pas bien, bah, c'est la faute de tout le monde. Les gars, il y a un moment, faut porter ses couilles. Hein. Tu joues pas bien, bah, mettez-la avec tes potes, quoi. Organisation, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah ouais! Alors ça, je pense que je vais faire un site et un community manager après. Ah putain, e-sport, on va faire des tactiques avancées après. Allez, on attend les 50 points, on fait des tactiques avancées. Je m'en bats les steaks. On va gagner plein de matchs. On va faire des tactiques avancées. Un petit 1-3-1. Un petit... Oh là! Le petit décalé guada. La petite technique de Sixen. On va faire des techniques mode Sixen, les gars. Mais même Sixen, il sera jaloux de pas avoir pensé à ces techniques. Free agent, e-sport league, nanana. Ah, on va jouer contre la team CCCCC. Windows.2. Eh, on est troisième. On est troisième, là, les gars. Avec 4-2, on est pas mal. Hein, mais faut vraiment qu'on joue. Alors, la team CCC, ils sont tout en bas. Ils sont ultra nuls, les gars. MVP. Eh. Et il y a deux joueurs. Best GPM. Oh, putain. Oh, mon Dieu. Alors, le GPM, pour ceux qui ne suivent pas les streams, c'est le Gardum par minute comme unité. C'est l'unité de mort dans Dark Souls. Or, comme Carp, elle feed beaucoup... Ça correspond à un gros GPM. Magnifique. Ce jeu est sublime, les gars. Mais tellement ouf. Ah, c'était inattendu. Alors, eux, ils vont me coûter trop cher. On s'en bat les steaks. Pour l'instant, donc, on va juste jouer une game. C'est la team CCC. On va les shred. On va les shred. Tout le monde les a battus. Si on les bat pas, je vous jure que je me suicide. Mais je me suicide là devant tout de suite à la caméra. Hein. Ça va être de la suicidance. J'ai l'impression, Gardon, que je joue beaucoup ce champion-là qui a l'air dégueulasse. On dirait à la fois un loup et une araignée. Allez, First Blood Aragix et Carp. Beaucoup trop chaud. Ils sont beaucoup trop chauds dans cette team. Oh, par contre, j'aime pas trop quand vous mourrez tous comme ça. Hein. Voilà, on vient de gagner un 5-5, c'est mieux. Carp, mais Carp, ça y est, depuis que je lui ai dit, écoute, t'as chié dans la colle. Ou t'as que Kaina, mais qui 9-2, mais c'est quoi? On a un support, mais de ouf. Mais de ouf. Oh. Aragix, c'est un peu. Ah, Aragix, je suis 3, ok, pardon. Ah, Gardon, par contre, là, il feed. Ouais, le petit feed à Doom, le retour. Je suis pas convaincu du truc, je suis pas fan non plus du feed, hein, mais... Ok, voilà, non mais les mecs là, on les croche, la team CCC sont derrière. Ça veut dire si on gagne et que d'autres teams perdent, on peut peut-être passer premier du tournoi. Et ça, c'est pas déconnant. Et en plus de ça, si on gagne, même si les autres gagnent, on reste troisième. Après, il nous suffit de battre les autres, et je pense qu'on peut battre les autres. Moi, j'ai confiance en nous. Vous avez peut-être pas confiance en nous, moi j'ai confiance en nous. J'ai confiance en la Gardum Army. La Gardum Army, c'est quoi? C'est une team full genius. Full genius, quoi. Regardez-moi ce support. 17-8. Et ça va être le MVP. Ah oh, Aragix, 19-7. Aragix, au-dessus. Carp, 22-9. Il y a un moment... Non, mais il y a un moment, faut respecter. Faut... 25-10, tout va bien. Gardum, 7-13, par contre. On va pas en parler de ce mec. C'est un petit peu un nul. Mais j'ai pas le choix de garder un team, parce qu'il paraît que il a mon pseudo. Alors... Mais je ferais bien des entraînements personnalisés, alors s'il y avait plein de thunes, tu vois... Genre, ah, payer un coach perso et tout. Mais non, on est en train de les shred. Arrêtez, là, c'est une humiliation. On leur fait pipi dessus. Enfin, j'ai l'impression, tu sais, qu'on se met devant eux, on leur ouvre les yeux comme ça, on leur fait pipi dans l'œil et ils peuvent pas dire non parce que c'est trop facile, quoi. MVP de la game, Carp. Alors là, excusez-moi, mais je vais quand même. Hop, Team Room. Tu vas avoir des mécaniques. Let's talk. T'as bien joué. Écoute, faut que je te le dise quand même. Aragix, tu vas te positionner encore mieux. Tu peux faire mieux, je trouve. Gardum, alors, t'as chié dans la colle, mais de ouf. C'est clairement. Voilà. Il va falloir que tu progresses. Apo, je crois que c'était pas mal. Oh, c'est un peu moyen, je pense que tu peux faire mieux. Vraiment. Tu vas devoir gagner en GG mécanique. Hein. Kainana, tu vas gérer les teamfights. T'as géré. On va continuer. Mec, mi capitaine. Ah, je peux pas te mettre capitaine là. Si, je peux. Écoutez. Team capitaine, on va essayer.
On va essayer à la base, le leader, c'était le top laner. On va voir, peut-être, hop, d'ailleurs, elle va engager les teamfights, Kaina. Allez, moi j'ai confiance. Moi, elle me dit, vas-y, je suis super chaude, je vais le faire jusqu'au bout. Moi, je suis mes joueurs, je les écoute, tu vois, faut être à l'écoute de ses joueurs en tant que coach. Oh, il se passe quoi? C'est moi, ça? Genre, j'ai une rookie qui est accrochée à moi, genre... Des petits joueurs, c'est sympa. Alors, les Selfish Bees nous avaient battus au début. Et là, on a Kaina qui a dit, je veux lead la game, laisse-moi faire, je suis Kaina. Ok, je me suis chauffé à mort, là, on y va. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance, Kaina, mais faut que tu mènes jusqu'au bout. Voilà, First Blood, Kaina 3-0. Pardon, excusez-moi du peu, hein, je veux dire. Ils ont sécurisé déjà un baron d'Achor en 30 secondes de game. Mais sans déconner, attendez, mais c'est quoi ce support de ouf qu'on a? Ah non, mais c'est le nouveau talent de l'e-sport, ça y est, t'es qui dans l'e-sport? Je suis Kaina, t'es reconnu mais mondialement, tu vois, même Yellowstar, il te respecte. Hein. Wow. Non, je suis impressionné là. Je suis impressionné parce que la Garde Marmi, je trouve, a beaucoup progressé pendant ce tournoi. C'est vraiment une team qui a de l'avenir, avec des joueurs qui coûtent pas cher, c'est trop bien. Énorme, énorme. Non mais vraiment voilà, Gardoum Army, bon ça se sent tout de suite, Gardoum au top, 15-7, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? C'est une machine de guerre ce type. 15-8, arrête de mourir. 15-9, arrête s'il te plaît. C'est pas cool. J'aimerais pas beaucoup que tu continues de mourir. Allez, allez, 15-10, soit, 17-10, allez va jusqu'au bout, va jusqu'au... Non mais 17-11, arrête, s'il te plaît, oh, t'as mon pseudo quand même, enfin je sais pas, respecte-moi, fais un truc, il y a un moment. Je vois juste mon nombre de morts monter. Je suis tellement dégoûté. Tu vois, ah, trop bien, allez, on a fait le baron Nashor, c'est fini, IM, c'est fini les mecs, vous êtes terminés. On vous a mis du cérumen dans les yeux, là, du cérumen dans les... Alors, le cérumen, c'est ce qui coule de vos oreilles, le truc orange que vous nettoyez, et des cotons-tiges, c'est du cérumen, voilà. On vous a mis du cérumen dans le nez, on vous en a mis dans la bouche, c'est trop sale. On a gagné la game, on a gagné. Allez, on a gagné un teamfight majeur, tout va bien. Écoutez, les mecs, je pense qu'on leur a roulé dessus, MVP de la game, car, faut lui dire, il y a un moment où... Attendez, Carp, j'ai envie de te dire, GG. Ajix, t'as fait quoi? Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux, voilà. Gardoum, alors je trouve que t'as été pas mal dans la game. Mais tu peux faire mieux. J'ai compris le message. Mec, tu vas me parler meilleur, je vais te péter ta gueule. Tu es moi, alors je peux me frapper tout seul s'il faut. Attention. Tu peux faire mieux. Ouais, voilà, il est d'accord avec moi. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Bah, GG, quoi. Il y a un moment où... Team moral, eh, le moral augmente, la synergie aussi, c'est pas mal. Je vais pas négocier des trucs comme ça, hein. Ils coûtent trop cher ces joueurs. On en est où? Eh. Oh, merde, j'ai fait tout un truc. Qui c'est les premiers du tournoi? Ah, j'avais dit, c'est une team qui a de l'espoir. Personne m'a cru, les gars. Moi, j'ai été les chercher au fond, les joueurs. Les joueurs, ils pleuraient chez eux tous les jours, genre, maman, je veux jouer tout. Moi, je suis allé chercher, je fais, mec, toi, dans l'e-sport, tu vas devenir quelqu'un. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, tu seras quelqu'un. Je propose qu'on fasse une dernière game, et ça va être la game décisive. Décisive. Alors attendez, on va regarder, scouting, c'est pas ça. On joue contre les Falcon Pro, qui sont au juste deuxième. Alors, on n'a pas le droit de perdre. Sinon, ça veut dire qu'on passe à 6-3, et qu'eux aussi sont à 6-3, et on n'est pas bien parce qu'ils auront gagné et tout. Moi, j'ai confiance. Transfert de Garou Marmi, ok. Ah non, Saki. Bon, non, c'est mort. Ok, on y va. Pardonnez-moi, on fait la dernière game. Parce que là, ça, Falcon Pro, on n'est pas loin, les gars. On n'est pas loin. On est chaud. Kaina, tu m'as demandé d'être capitaine. Kaina, tu m'as dit, fais-moi capitaine. Je t'ai tout mis. Toute la team va t'écouter. Ah, oh, team. Ah, c'est chaud. Alors, au début, on va jouer plutôt balance. On va jouer balance parce que ils ont une team early, faut faire gaffe. On va jouer même défensif. On joue def, les gars. Voilà, on a gagné un fight 5v4. On joue def. On a une compo teamfight, faut attendre un petit peu que la game se déroule, etc. On commence à gagner. Bim, on gagne 5v5. Allez, c'est parti. Rajix les fed, on va jusqu'au bout. Go. Allez. Là, on n'a pas le choix. Hein. Parce que moment où t'as ton carry AD, ton midlaner qui sont fed. Non. Ah, ok, on a sécurisé un objectif majeur. En défensif, ça avait l'air un peu mieux quand même hein, de tourner. En même temps, ils ont une team early game, etc. Du coup, on va jouer très très def au début, ils ont une team early. Calmez-vous.
Genre Gardou, Mappo, Kaina, là, je... Carpe et Raji qui nous maintiennent la tête hors de l'eau, hein, mais c'est chaud. Très très chaud d'avoir juste la tête hors de l'eau. On a ce que c'est un objectif mineur. La lane phase est terminée. Ok, on va jouer Balance maintenant. Comment ça, ils ont gagné un major teamfight? Oh! Ça va! Ok, on a pris un objectif mineur. Non mais attendez, on va jouer def. Je sais pas, il y a un moment où on accroche la team. Ouais, je crois qu'il faut que je joue def face à eux. Attends, genre, je sais pas, hein, ma team, ils se sont dit non. Allez les gars, allez, c'est gagnable! Kaina, t'es dans le positif? Allez! Allez, on va repasser devant Gold, ça y est, on est repassé devant les gars, on est chaud, on est beaucoup trop chaud, on gagne plein de fights 4v2 et tout. Ah, ça j'aime pas, je vais leur mettre des petites claques là, genre. Tu vois, la petite claque, c'est un mouvement de poignet, c'est pas un grand mouvement de main, vous allez mettre une grosse claque qui fait mal, c'est un petit mouvement de poignet, et on a gagné, on est toujours premier du tour en Amérique. Il y a un moment où la team, voilà. Mais Team Room, faut que je fasse un truc. Alors Carp, t'as été pas mal face au Falcon Pro. Tu vas gagner un petit peu en mécanique, s'il te plaît. Et tu joues bien. What? Je pense que tu devrais parler à mes mates. Mais je te parle si je veux, tu te calmes. Attends, qu'est-ce qu'il a fait lui? Ah, face au Falcon Pro. Ouais. J'espère que tu parles aux autres aussi. Mais évidemment, je parle à tout le monde, t'en fais pas. Écoute, je ne sais que te dire. T'es jamais contente avec tes performances, c'est bien. T'as chié dans la colle. Mais évidemment que je parle à tout le monde, c'est quoi ton problème mec, t'as chié. Voilà, et lui il a des plans pour devenir meilleur, regarde, c'est bien, ça m'étonne pas. Moi j'ai confiance en toi. On a gagné, on est pas mal, on passe le jour et on va se quitter là-dessus. On continuera cette team, je pense, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, bon, pouce bleu, tout ça, si vous aimez cette team. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, que je puisse si je continue cette team avec vous et qu'on voit ensemble l'évolution de la Gardou Army ou pas. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne... ce que vous voulez, je sais pas l'heure qu'il est quand vous voyez ça. Je vous dis à la prochaine, je vous fais des boujoux, tchou, tout plein, tout ça.